Welcome to Love Miracle Worldwide, with Pastor Bruno and Evangelist Marie Madala, both anointed and commissioned to proclaim salvation to the lost, liberty, and total deliverance to the captives, healing to the sick and making disciples of Christ all over the world. At Love Miracle Worldwide, God's power will touch and change your life like never before. Come to encounter Jesus. Alléluia. Alors je vous salue tous au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons recommander ce moment de prière entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons d'infinies actions de grâce. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu continues à faire dans nos vies. Sois glorifié, sois magnifié, sois exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous t'invitons en ce moment, viens et prends contrôle de tout ce moment de prière que nous allons passer sur ces lignes, Seigneur. Père, sois maître en toutes choses. Du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que toutes les principautés, toutes les autorités, les princes des ténèbres qui se lèvent contre ce moment de prière, quelle que soit leur location, qu'ils soient dans le visible, dans l'invisible, dans le second ciel, dans le premier ciel, dans les forêts, dans les grottes, dans les rivières, dans les fins fonds de la mer, sous la terre, qu'ils soient liés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes leurs œuvres, que toutes les opérations, que toutes leurs manœuvres, que toutes leurs activités contre nos vies, contre les vies de toute personne connectée sur ces lignes de prière, nous paralysons par le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute flèche qui a été relâchée contre nos vies, nous les revoquons et nous les renvoyons vers l'expéditeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commandons que tout nuage des ténèbres au-dessus de nos vies, au-dessus de l'église, au-dessus de nos maisons, soit maintenant dispersé par la puissance de feu et le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et que les cieux maintenant s'ouvrent au-dessus de nos vies, que les cieux s'ouvrent au-dessus de nos maisons, que les cieux s'ouvrent au-dessus de l'église, au-dessus de ces lignes de prière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, pulvérise l'atmosphère de ces lignes de prière par ton onction, par ta puissance, par ta présence, et sanctifie toutes choses, purifie toutes choses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends contrôle, Saint-Esprit, dispose les cœurs à recevoir, à être réceptifs à ce que Dieu a préparé en cette soirée. Père, tu connais les urgences de tout un chacun. Tu connais les problèmes, tu connais les situations, les difficultés, les barrières. Tu connais les conditions de tes enfants, Seigneur. Nous prions, merveilleux Maître, que pendant ce moment de prière, que tu puisses adresser chacune d'elles au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Viens une fois de plus glorifier ton nom, Seigneur, dans la vie de tout un chacun sur ces lignes de prière.
Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom en opérant au-delà de l'imagination, au-delà des attentes, au-delà du naturel, au-delà de ce qui est commun, au-delà de ce qui est normal. Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu pour nos péchés. La Bible dit dans le premier épître de Jean que Dieu est fidèle et juste pour pardonner les péchés de ceux qui confessent. Ça veut dire que, bien-aimé, quel que soit ce que tu as fait, si tu es sincère dans ton cœur, si tu as un cœur repentant et tu demandes pardon à Dieu, Dieu va te pardonner. Donc, ouvre ta bouche et implore la miséricorde de Dieu qu'il te pardonne de tout péché que tu as commis, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et qu'il te pardonne aussi de tout autre péché qui a peut-être été commis par une personne qui est liée à toi. Et à cause de cela, ce péché aussi influence ta vie. La Bible dit, les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. La Bible dit, nos parents péchaient, ils ne sont plus, mais aujourd'hui nous portons la peine. Bien-aimé, Moïse n'a pas pu accomplir sa destinée parce qu'il n'a pas su ce que son ancêtre Lévi avait commis. Et c'est l'action que son ancêtre Lévi avait commis qui a maintenant poussé Moïse à désobéir à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse n'a pas pu voir, n'a pas pu entrer dans la terre promise. Moïse n'a pas pu accomplir la mission, la destinée que Dieu avait prévue pour lui. Bien-aimé, la plupart du temps, tu ne sais pas ce qui te combat. Ça vient de très loin. C'est pour ça que ouvre ta bouche, demande pardon pour tes propres péchés et pardon pour tout autre péché de qui que ce soit qui parle contre ta vie en ce moment. Ouvre ta bouche et prie. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Pardonne toutes nos iniquités, nos abominations, nos transgressions, nos péchés, conscients et inconscients. Adresse, Seigneur. Pardonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout péché, Seigneur, commis par nos ancêtres, commis par les parents, les grands-parents, Seigneur, qui parlent contre nos vies. Pardonne ces péchés, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Pardonne-nous de ces iniquités, ces abominations, ces crimes, ces meurtres qui parlent contre nos vies, Seigneur. Pardonne-nous, roi des rois. Pardonne-nous, Seigneur des seigneurs. Pardonne-nous, Adonai. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Invoque le sang de Jésus-Christ maintenant. Que le sang de Jésus-Christ puisse te purifier. Que le sang de Jésus puisse te racheter. Que le sang de Jésus puisse te sanctifier et te qualifier de nouveau à recevoir la bénédiction de Dieu. Ouvre ta bouche et prie. Précieux sang de Jésus,
Purifie ma vie. Sanctifie ma vie. Et rachète mon âme du péché au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Rachète nos âmes du péché. Par le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus qui a coulé sur le calvaire pour la rémission de nos péchés. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, par ton sang, Seigneur, rachète-nous. Rachète nos vies. Rachète nos œuvres. Rachète nos familles. Rachète nos maisons. Rachète, Seigneur, tous les domaines de nos vies par ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2015. Nous sommes déjà au deuxième mois de 2015. Et aujourd'hui aussi marque le dernier jour de notre jeûne de 21 jours que nous avions commencé il y a de cela quelques semaines. Et nous allons prier en cette soirée pour posséder le mois de février qui commence. Bien-aimés, avant que chaque mois commence, tu dois prendre le temps de posséder ce mois par des prières et par des déclarations et des décrets d'autorité et divin. Parce que la parole de Dieu dit que un jour instruit un autre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout ce que l'ennemi a planifié dans ta vie hier, samedi, lorsque la journée de dimanche se levait, la journée de samedi a transféré dans la journée de dimanche tout ce qui a été relâché dans le monde des ténèbres contre ta vie dans la journée de samedi. C'est pour ça que la Bible dit qu'un jour instruit un autre jour. C'est pour ça que lorsque quelqu'un relâche une malédiction sur ta vie, le lundi, la malédiction va continuer à travailler dans ta vie le mardi, le mercredi et le jeudi, parce que tu ne prends pas possession de chaque jour. Tu ne prends pas possession de chaque mois. C'est pour ça que tous les mois que tu vis sont les mêmes. La Bible dit un jour instruit un autre. Un mois instruit un autre mois. Une année instruit une autre année. Nous allons prendre possession de ce mois. Parce que les sorciers, les sataniques, les réseaux chrétiens, les sorcières, ils prennent possession du mois avant que le mois commence. Et lorsqu'ils prennent possession du mois, ils définissent un agenda précis pour la vie de tout un chacun. Et toi maintenant, quand tu commences un mois, tu ne prends pas la peine de posséder ce mois spirituellement. Tu te retrouves au courant du mois, bien que tu as fait un agenda, tu as fait un programme, tu as fait des plans accomplis au cours de ce mois. Mais tu te retrouves à la fin de ce mois-là sans avoir accompli ce que tu avais mis dans ton agenda. Sans avoir accompli le programme que tu avais fait. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ce qui s'est passé, c'est que toi, tu as fait ton programme physiquement, mais tu n'as pas possédé le moi spirituellement. Et le sorcier, et la sorcière, et le démon qui a possédé le moi spirituellement est en train maintenant de te contrôler tout au long du mois. Tout ce qui se passe dans le monde physique n'est qu'une réflexion de ce qui se passe dans le monde spirituel. Pour que quelque chose se manifeste en nature, physiquement, cette chose d'abord prend naissance dans le monde spirituel. C'est pour ça que si tu veux avoir la victoire dans le monde physique, dans le monde naturel, tu dois gagner d'abord la victoire dans le monde spirituel. Et pour gagner la victoire ou posséder quoi que ce soit dans le monde spirituel, tu dois faire recours à des voies spirituelles, à des armes spirituelles, telles que la prière, le jeûne, la louange, l'adoration, la méditation et la vie de sanctification et de sainteté. Voilà les armes auxquelles tu dois faire recours pour posséder ta journée. Laissez-moi vous donner un exemple qui va vous choquer. Il y a une confession religieuse ici dans ce monde. Les membres de cette confession religieuse, ils prient cinq fois par jour. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ces personnes prient cinq fois par jour. Et la première prière qu'ils font, c'est au lever du matin, au petit matin, avant que le jour ne se lève. Ces personnes commencent avec leur première prière. Et lorsqu'ils font cette prière, ils possèdent le reste de la journée. Ce qui fait que, au courant de la journée, vous verrez que les personnes de ces confessions religieuses ont le dessus sur tout ce qu'ils font. Ils sont trop forts dans le commerce. Lorsqu'ils vont dans le commerce, tout le monde vient acheter leurs marchandises. Pourquoi? Parce qu'ils se sont levés le matin, avant le lever du soleil. Ils ont possédé la journée. Pendant que le chrétien était en train de dormir et de ronfler, il se lève lorsque le soleil s'est déjà levé et il prie et il pense qu'il va aller passer la journée dans la victoire. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est celui qui possède le mois avant le début du mois, celui qui possède la journée avant le lever du matin, c'est celui-là ou celle-là qui va contrôler le mois, contrôler l'année ou contrôler le jour qu'il ou elle a possédé. Tu ne peux pas vaincre un démon ou un sorcier ou un sorcier qui est full time pendant que toi tu es un chrétien part time. Si tu veux vaincre un sorcier ou une sorcière qui est full time, tu dois aussi être un chrétien full time. Bien-aimé, ta journée commence bien et se termine mal parce que tu n'as pas possédé ta journée au petit matin. Le mois commence bien et finit mal parce que tu n'as pas possédé le mois. L'année commence bien et finit mal parce que tu n'as pas possédé l'année. Et peut-être le 31, tu étais même en boîte. Ou peut-être tu étais dans les alcools. Ou peut-être tu étais en train de te réjouir. Pendant que d'autres possédaient l'année dans la prière et dans le jeûne.
Et maintenant, tu veux avoir des résultats positifs au courant de l'année. Où étais-tu quand l'année commençait? Que faisais-tu? As-tu investi spirituellement pour voir en manifestation physiquement ou naturellement dans ta vie des choses victorieuses? Bien-aimé, c'est ce que tu sèmes que tu récolteras. Si tu n'investis pas spirituellement, tu vas continuer à mener une vie de défaite. Satan va continuer à avoir le dessus sur toi, sur ta maison, sur ton mariage, sur ta carrière, sur tes entreprises, sur tes affaires, sur tes études. Jusqu'à ce que tu vas commencer à investir spirituellement. Et c'est quand tu vas commencer à investir spirituellement que tu vas voir en manifestation les choses dans le physique. C'est là que tu vas commencer à marcher dans la victoire de Christ. Jésus-Christ a vaincu Satan sur la croix. Mais les chrétiens marchent dans la défaite, vivent dans la défaite. Les chrétiens, la pauvreté, c'est les chrétiens. La jalousie, c'est les chrétiens. L'impudicité, c'est dans l'église. Le mensonge, le vol, c'est dans l'église. La tricherie, c'est dans l'église. Le non-chrétien est même plus intègre que le chrétien. Pourquoi? Parce que tu n'investis pas spirituellement. Tu penses que ta prière de 5 minutes le matin va te couvrir tout au long de la journée. Pendant que le sorcier ou la sorcière qui te combat a passé toute la nuit à faire des incantations contre ta vie. Et tu penses qu'il a pris des heures de minuit à 6 heures du matin pour relâcher les incantations, pour détruire ta journée, pour déprogrammer ton agenda. Toi, tu penses qu'une prière de 5 minutes va réduire à néant ce plan de Satan? Bien-aimé, il faut faire attention. Nous sommes dans le ministère de la délivrance. Souvent, on veut prier pour certaines personnes et l'Esprit de Dieu dit: le démon qui combat cette dame-là, c'est un démon qui fait 40 jours de jeûne. Avant de l'attaquer, vous devez payer d'abord un prix au-dessus du prix que ces démons et ces sorciers qui l'attaquent payent. Pour avoir la victoire dans ce monde, tu dois être au-dessus spirituellement de tes ennemis. Tant que tes ennemis sont plus forts que toi spirituellement, tu vas continuer à vivre dans la défaite, même si tu es dans l'église, même si tu parles en langue, même si tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu vas demeurer dans ta maladie, dans ta pauvreté, dans ta solitude, dans ton échec. Bien-aimé, Dieu te dit ça à cette soirée pour que tu te réveilles. Dieu te dit ça en cette soirée pour que tu te révoltes. Parce que quand tu vas te révolter et tu vas commencer à investir spirituellement, c'est là que tu vas commencer à vivre la victoire de Christ dans ta vie. C'est là que tu vas commencer à te réjouir du fruit de ton travail. C'est là que tu vas commencer à marcher dans la destinée que Dieu avait prévue pour toi. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 10 qu'il y a un malheur sur la terre. Les hommes riches sont dans des niveaux de bassesse, pendant que leurs opposés sont assis sur les lieux hauts. Que les princes marchent à pied, pendant que leurs serviteurs sont sur des chevaux. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Même la Bible le dit.
Spirituellement, tu es riche, mais physiquement, tu es pauvre. Spirituellement, tu es en santé, mais physiquement, tu es malade. Spirituellement, tu es béni, mais physiquement, tu es maudit. Pourquoi? Parce que ton ennemi est au-dessus de toi spirituellement. Et pourquoi est-ce qu'il est au-dessus de toi spirituellement? Parce que ton ennemi investit plus que toi spirituellement. C'est pour ça que Jésus a dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Nous allons posséder ce mois de février. Afin que tout ce que nous avons planifié pour ce mois de février puisse s'accomplir. Afin que toute puissance, tout sorcier ou toute sorcière qui va s'entêter pour perturber notre agenda divin en ce mois de février, que ces puissances rencontrent Dieu sur leur chemin, ainsi que son épée. Bien-aimé, révolte-toi dans la prière. Tu priais 5 minutes, commence à prier 1 heure. Tu priais 1 heure, commence à prier 2 heures. Tu priais 2 heures par jour, commence à prier 3 heures. Tu priais 3 heures, commence à prier 4 heures. Tu priais 4 heures, commence à prier 5 heures. Si tu priais 5 heures, commence à prier 24 heures sur 24. En marchant, tu pries. En mangeant, tu pries. Parce que le sorcier, lorsqu'il marche, il fait les incantations. Lorsqu'il salue quelqu'un, il fait les incantations. Lorsqu'il dort, son esprit est en train de travailler. 24 heures sur 24, le sorcier est en train de faire les incantations. Mais toi, tu pries 5 minutes et tu penses que tu auras le dessus sur le sorcier parce que tu prononces le nom de Jésus. Lisez votre Bible. Tout ce que Dieu a utilisé puissamment, c'était des hommes de prière, des femmes de prière et des femmes, des hommes de jeûne, de consécration. C'est le prix à payer. Si tu commences à faire cela, tu vas voir un changement radical dans ta vie. Tu vas voir des bénédictions venues de nulle part. Tu vas voir ta vie devenir facile. C'est ça le secret. Tu dois être au-dessus de ton ennemi pour dominer. Sans ça, il va continuer à te dominer. Ouvre ta bouche. Dis que toi, le mois de février, tout ce que le mois de janvier a enregistré contre ma vie et t'a transféré, rejette maintenant ça au nom de Jésus. Je répète, dis toi, le mois de février, tout ce que le mois de janvier a enregistré contre ma vie, contre ma famille, contre tout domaine de ma vie, toi, mois de février, rejette maintenant toutes ces informations au nom de Jésus. Rejette toutes ces informations au nom de Jésus. Les malédictions qui ont été relâchées dans ta vie en janvier. Janvier a déjà transféré en février. Maintenant, commande à février de rejeter tout ça. Toute information qui a été transférée de janvier à février contre ta réussite, contre ta maison, contre ton foyer, contre tes finances, contre ton avancement, commande maintenant au mois de février de rejeter cela au nom de Jésus. Commande au mois de février de rejeter cela au nom de Jésus. Mois de février 2015, je te commande de rejeter toute information que tu as enregistré du mois de janvier qui
parle contre ma vie, je te commande de rejeter, 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 rejette par le feu, 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 toute information, toute parole négative, toute malédiction, tout mauvais sort, toute incantation, tout programme satanique que le mois de janvier a communiqué au mois de février pour ma vie, je commande au mois de février de rejeter, 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 de rejeter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier que tout ce qui a été enregistré dans les astres, dans la terre, dans les eaux, dans les forêts, dans les grottes, sur les montagnes, dans les rivières, dans les airs, contre ta vie, en ce mois de 2020, en ce mois de février 2015, que tout cela, maintenant, soit anéanti et détruit. Dis au nom de Jésus, je commande à tout ce qui a été enregistré dans les astres, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les profondeurs des eaux, dans les forêts, dans les villages, dans les lieux occultes, dans les maisons des tradis patriciens, dans les forêts, dans les cavernes, dans les grottes, sur les montagnes. Je commande que tout cela soit consumé par le feu. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et consume cela. Que tout ce qui a été enregistré contre ta vie dans tous les éléments de la création de Dieu, que cela soit consumé par le feu. Que cela soit consumé par le feu. Au nom de Jésus, consume-les par le feu. 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 Consume-les par le feu, consume-les par le feu, consume-les par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Satan travaille de différentes manières. Une dame, chaque année, lorsque la fin du mois de mars et le début du mois d'avril arrivaient, cette femme devenait totalement folle. Et lorsque cette période passait, elle redevenait normale. Chaque année, la même scène se représentait. Chaque année, à partir du mois, de la fin du mois de mars, début du mois d'avril, elle devient folle. Après, elle redevient normale. Lorsqu'un serviteur de Dieu a commencé à prier sur elle, Dieu lui a dit, va dehors et commande à la lune de rejeter la malédiction qui a été relâchée sur cette femme. Donc, à chaque fois que la lune se levait, à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril, pendant toute cette période, cette femme-là était folle parce qu'on avait relâché la malédiction. On avait enregistré la malédiction sur un élément de la création qui était la lune. Donc c'est pour ça que lorsqu'on prie que tout ce qui a été enregistré dans les astres, dans les eaux, dans les mers, dans les rivières, dans les forêts, c'est parce que Satan utilise ces choses-là pour enregistrer des informations, des malédictions, des incantations qui détruisent ta vie. Tu vas prier maintenant. Par le sang de Jésus, tu vas purifier ce mois de février par le sang de Jésus. Certaines personnes, chaque année, à partir d'un certain mois, ils vivent les mêmes choses, les mêmes événements, les mêmes situations. Pourquoi?
Parce que des informations ont déjà été enregistrées contre la vie de cette personne sur ce mois. Comme une dame me disait, chaque fois à la fin d'année, je mène une vie difficile financièrement. Au début de l'année, tout va bien. Mais à partir du mois de fin septembre jusqu'au mois de décembre, chaque année, je mène une vie affreuse financièrement. Je suis totalement combattu financièrement. Rien ne va financièrement chaque année pendant cette période. Qu'est-ce qui s'est passé? La malédiction était enregistrée dans sa vie. Qu'à partir du mois de septembre jusqu'au mois de décembre, elle doit être pauvre. Tout problème du monde, lorsqu'elle arrive à ce mois, le problème vient de nulle part. Tout ce qu'elle fait, les situations où elle va se trouver en train de dépenser même tout ce qu'elle a épargné tout au long de l'année. Satan peut te laisser épargner, remplir ton saving account. Mais avant la fin d'année, il crée deux ou trois événements qui vident ton saving account et même ton checking account au point où tu te retrouves avec un compte bancaire négatif. Tu vas prier maintenant que, oh Seigneur, par ton sang, purifie ce mois de février au nom de Jésus. Purifie ce mois de février de toute souillure. Purifie ce mois de février de toute souillure. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et purifie ce mois dans ta vie. Seigneur, je prie au nom de Jésus que toute personne connectée sur cette ligne de prière, Père, par le précieux sang de l'agneau, purifie ce mois. Purifie ce mois de février 2015. Purifie ce mois. 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 Tu sais, Seigneur, tout ce que Satan a programmé. Tu sais, Seigneur, tout ce que Satan a déjà fait. Tu sais, Seigneur, tous les dispositifs que Satan a installés pour ce mois de février 2015 contre la vie de toute personne connectée. Père, je te prie, purifie ce mois par ton sang, sanctifie ce mois par ton sang, purifie, 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 au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant tu vas commander à ce mois de février de produire dans ta vie les fruits dans tous les domaines. Tu vas commander à ce mois de février d'être un mois de bénédiction, un mois de victoire, un mois de réussite, de succès, de percée, un mois de santé, santé physique, santé spirituelle, santé divine, un mois de paix, un mois de joie, un mois de triomphe, un mois de succès. Donc, ouvre ta bouche maintenant. Dis-toi, mois de février 2015, je te commande au nom de Jésus que tu sois fructueux pour moi dans tous les domaines de ma vie. Que tu produises dans tous les domaines de ma vie des bons fruits. Que ce mois soit un mois de victoire. Que ce mois soit un mois de réussite. Que ce mois soit un mois de santé. Que ce mois soit un mois de prospérité, de percée, un mois de faveur, un mois de miracle, un mois de promotion. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et déclare,
Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ, dans la vie de toute personne connectée, je décrète et je déclare que ce mois de février 2015 amène et apporte la sanctification dans leur vie. Que ce mois 2015 amène et apporte la crainte de Dieu dans leur cœur. Que ce mois 2015 amène et apporte le désir de chercher ta face, le désir de chercher tes voies, le désir de jeûner, le désir de prier, le désir de méditer, le désir de marcher dans la justice, dans l'intégrité, au nom de Jésus. Seigneur, je décrète et je déclare qu'en ce mois 2000, en ce mois de février 2015, dans la vie de toute personne connectée sur cette ligne de prière, que ce mois apporte la faveur, la réussite, la victoire, la percée, la santé, la santé, la santé, la santé, quelle que soit ta maladie, je menace cette maladie maintenant, quelle que soit ta maladie, je menace cette maladie et je décrète en ce mois de février 2015, tu seras en santé, tu seras en santé, tu seras en santé dans tes finances, en santé dans ton foyer, en santé dans ta famille, en santé dans ta carrière, en santé dans tes études, en santé dans tes entreprises, en santé dans tes business, en santé dans ta vie sociale, en santé dans ta vie spirituelle, dans ta vie de prière, dans ta vie de jeûne, dans ta vie de méditation. Je décrète la santé dans tous les domaines de ta vie. En ce mois de février, je décrète la santé, je décrète la santé, je décrète la santé, je décrète la santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas parler au mois de février 2015. Dis-toi, mois de février 2015. Je te commande au nom de Jésus de rejeter toute volonté qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Quel que soit ce qui est prévu se passer en ce mois, qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour ma vie, je te commande, mois de février 2015, rejette, rejette par le feu, rejette, rejette par le feu, ouvre ta bouche et fais cette prière, rejette par le feu, rejette par le feu, au nom de Jésus, rejette par le feu, au nom de Jésus. Toi, mois de février, je te commande de rejeter par le feu, rejette par le feu, rejette par le feu, rejette par le feu, rejette par le feu, au nom de Jésus, je te commande de rejeter par le feu toute volonté qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour toute personne connectée sur cette ligne de prière. Rejette par le feu, 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 rejette par le feu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimé, si tu possèdes chaque mois de cette manière et qu'au courant du mois, tu mènes une vie de sanctification, une vie d'obéissance, d'intégrité. Tu vas voir comment tout ce que tu entreprends va réussir à 100%. Dieu t'a donné le secret en cette soirée. De même que tu as possédé ce mois, si tu possèdes chaque jour de cette manière, tu vas te rendre compte que maintenant, toutes tes journées commencent et finissent dans de très bonnes conditions. Satan te renverse en journée parce que tu n'as pas possédé le jour. Tu t'es levé et comme tu étais trop pressé, c'est dans la voiture que tu as commencé à dire « Seigneur, prends contrôle, prends contrôle. »
Pendant que, avant 6 heures du matin, Satan avait déjà planifié toute ta journée. Et quand tu te lèves, tu viens seulement maintenant vivre le plan de Satan. Là, tu viens seulement accomplir l'agenda des sorciers, des sorcières de ta famille. Bien-aimé, investis spirituellement et tu seras au-dessus de tes ennemis. Et quand tu seras au-dessus de tes ennemis, tu vas commencer à manger du fruit de ton travail. Tu vas commencer à te réjouir des bénédictions de Dieu. Tu vas commencer à prospérer à tout égard. À tout égard. À tout égard. Rien ne pourra t'empêcher. Rien ne pourra te bloquer. Mais le prix à payer, c'est investir spirituellement et te rassurer que tu mènes une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie d'obéissance. Parce que souvenez-vous, Dieu est clair dans sa parole que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, tout exercice spirituel que nous faisons, si nous ne vivons pas dans l'obéissance, tous ces exercices spirituels, ces gymnastiques spirituelles sont faites en vain. Rassure-toi que tu vis dans l'obéissance, bien-aimé. Si ce n'était pas le cas, commence à partir de maintenant. Repens-toi, commence à partir de maintenant. Et tu vas expérimenter la main de Dieu. Les chrétiens disent que Dieu ne parle plus, que Dieu ne répond plus aux prières. Non. Dieu parle. Dieu se montre. Mais c'est parce que tu ne remplis pas les conditions qui permettent à Dieu de te parler, ou à Dieu de se montrer à toi, ou à Dieu d'intervenir dans ta situation. Dieu répond aux prières. Et très vite même, promptement, il répond aux prières. Il dit que quand le juste crie, il répond promptement au juste. Le problème, c'est que est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es juste? Le juste marche dans l'obéissance. Lorsqu'il trébuche, il se repent le plus tôt possible et continue à marcher dans l'obéissance, la sainteté, la sanctification. Mais quand tu vis dans la désobéissance par derrière, tu pries beaucoup, il n'y aura pas de résultat, bien-aimé. Il n'y aura pas de résultat. Et tu vas te frustrer dans ta foi. Tu vas dire, le pasteur là n'est pas puissant. Il prie pour moi, ma situation ne change pas. Alléluia. Alors que ta situation ne change pas parce que toi, tu ne remplis pas les conditions. Quelle que soit la puissance ou le degré d'onction d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, s'il prie pour quelqu'un qui n'est pas en conformité avec Dieu, rien ne va se passer. Ah oui. C'est une réalité. Donc Dieu te donne les secrets bien-aimés pour commencer à, pour que tu commences à vivre dans la victoire à partir de ce mois de février. Si tu fais ce que Dieu t'a dit en cette soirée, en ce mois de février, tu vas témoigner d'ici le 15 février. Et tu sauras que Dieu honore seulement celui ou celle qui obéit. L'obéissance, c'est la clé avec Dieu. Les prières ne déplacent pas Dieu. Le jeûne ne déplace pas Dieu. Toutes sortes d'exercices de gymnastique spirituelle ne déplacent pas Dieu. Mais seule l'obéissance donne à Dieu le droit légal spirituellement d'intervenir dans ta situation. C'est bien de dire aux gens, Dieu va te bénir. Dieu va te guérir, Dieu va te délivrer, Dieu va te sauver, Dieu va t'élever. C'est vrai, Dieu peut faire tout cela. Mais rassurez-vous, on doit aussi dire que pour que Dieu t'élève, pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te guérisse, pour que Dieu t'élève, tu dois d'abord l'obéir.
Tu dois remplir les conditions. Et tant que tu ne remplis pas les conditions, Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que la Bible dit que même Dieu est soumis à sa parole. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même Dieu n'a pas le droit de briser sa parole pour aider quelqu'un. Mais c'est à nous de briser nos voies, de changer nos voies et de nous conformer aux voies de Dieu. Ne pense pas que Dieu va comprendre ta situation parce que tu es dans des problèmes, dans des difficultés, et il va accepter que tu continues à utiliser des voies qui ne l'honorent pas. C'est pour ça que Dieu ne va jamais venir vers toi. Mais Dieu dit toujours dans sa parole, venez à moi. C'est à toi de venir vers lui. Il ne va jamais venir sur ton chemin. C'est à toi de venir sur le chemin de Dieu. Et pour bénéficier de ce qu'il a pour toi. Dieu t'aime, bien-aimé. Et c'est pour ça qu'il te donne en cette soirée le secret pour continuer cette année 2015 dans la victoire, le succès et la prospérité à tous égards. Tous égards. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous recommander. Seigneur, je te recommande toute personne connectée sur cette ligne de prière. Père, j'annule tout agenda de mort prématurée contre toute personne connectée au nom de Jésus. Que tout plan de l'ennemi contre leur vie en cette semaine, Seigneur, que ce soit démantelé maintenant, 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 maintenant au nom de Jésus. Seigneur, envoie tes anges campés sur autour de nuit et jour. Que ta parole, Seigneur, soit la lampe sur leurs pieds et la lumière sur leur chemin, Seigneur. Père, que ton Saint-Esprit touche leur cœur, qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent avoir plus de crainte dans leur cœur, qu'ils puissent te craindre davantage, Seigneur, qu'ils puissent marcher davantage dans la sanctification. Donne-les la puissance, Seigneur, par ta grâce, de marcher dans l'obéissance, quelles que ce soient les situations qu'ils ou elles vont trouver, Seigneur, ou vont rencontrer tout au long de cette journée. Seigneur, maintiens-les, Seigneur, dans la victoire, que ta faveur soit manifeste dans leur vie. Et pour toute personne qui est malade, je commande à ta maladie de mourir maintenant au nom de Jésus. Que toute personne qui est connectée sur cette ligne de prière qui est malade, quelle que soit la source de ta maladie, je commande à cette maladie maintenant de mourir au nom de Jésus. Sois libéré de ce mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque la puissance du Saint-Esprit pour déloger de ton système, de ton corps, de tes organes, de tes os, de ton sang, de tes cellules, tout germe de la maladie, quelle que soit l'origine. Je chasse cette maladie de ton corps. Maintenant, elle part. Maintenant, elle part. Maintenant, elle part. Maintenant, elle part. Elle te quitte. Elle te quitte. Elle te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les maladies que Satan a mis dans ton corps et qui n'est pas encore manifeste, que tu ignores, je commande à ces maladies de sortir de ton système maintenant au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau, que le sang de Jésus te purge maintenant de tous ces germes de maladie dans ton système. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, que le Seigneur vous soutienne tout au long de cette semaine et à dimanche prochain. Bonne nuit à tous. Amen.